cuore madre. Supplication.
Et nous avons vu le dimanche passé que nous avons quatre groupes de prières. Et il y a des prières que nous allons encore enseigner le dimanche, et à la fin, pour clôturer cet enseignement. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu de mettre un accent et éclairer l'Église sur ce qu'on appelle la prière de combat spirituel. Le combat spirituel est l'une des prières que Paul est en train d'énumérer dans ce livre de Éphésiens. Nous définissons le combat, parce que c'est le combat spirituel. Nous définissons le combat, celui qui écrit, nous définissons le combat comme étant une lutte engagée. Une lutte engagée. Mais cette lutte a deux buts. Le combat, c'est une lutte engagée. Mais cette lutte engagée a deux buts. Le but, c'est pour attaquer et pour défendre. Donc, attaquer et se défendre. Le but, c'est pour attaquer et pour se défendre. Par des armes contre une force contraire. Se défendre ou attaquer par des armes, parce que c'est un combat. Un combat qui n'a pas des armes, ce n'est pas un combat. C'est qu'un combat, c'est une lutte engagée pour attaquer ou pour se défendre par des armes. Contre qui? Contre une force contraire, contre un adversaire, contre un ennemi. Et vous allez comprendre que dans le combat, il y a deux buts. Il y a d'abord l'attaque, c'est-à-dire quand nous allons pour combattre, la première des choses que nous voulons faire, c'est attaquer. Mais si nous nous sommes attaqués, nous passons au deuxième étape qui est la défense. Or, attaquer, on doit attaquer avec les armes, pas nos mains. Et défendre, nous devons aussi nous défendre avec les armes. C'est pourquoi avant d'embrasser un combat, avant de commencer un combat, soit un militaire doit s'assurer qu'il est bien armé. Parce que si on n'est pas bien armé, on ne peut pas attaquer ou on ne peut pas se défendre. On se défend que quand on est sûr et quand l'ennemi vient, je le défends. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Mais avant de parler sur le combat, nous devons étudier une chose. Parce que l'Église, c'est tout simplement le type d'Israël. Israël, c'est le type de l'Église. Alléluia. Amen. C'est que ce que Israël a vécu dans la chair, c'est ce que nous, l'Église, nous vivons spirituellement. Amen. L'Église est d'accord avec moi. Amen. C'est que notre référence de tout ce que l'Église peut faire, la référence, c'est Israël. Amen. Notre marche, la référence, c'est Israël. Amen. Notre évangile, la référence, c'est Israël. Amen. Alléluia. Amen. Or, ce que Israël a vécu dans la chair, c'est ce que nous vivons spirituellement. Parce que nous sommes Israël spirituel. On ne peut jamais vivre charnellement ce que Israël a vécu. C'est que si Israël a combattu par des armes, physique ou charnel, nous en tant qu'Israël spirituel, nous ne combattons pas avec les armes physiques ou charnelles que Israël avait combattues, mais nous néanmoins nous combattons avec les armes spirituelles. Dites amen. Amen. Non, dites amen. Amen. Nous allons lire rapidement, parce que comme Israël, c'est notre référence. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 20. C'est un verset que le pasteur Timothée nous a prêché pendant une période, je crois. Verset 20, le premier au quatrième verset. Livre de Deutéronome, dit prier jusqu'au quatrième verset, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Amen. Loi relative à la guerre. Quand vous partirez en guerre contre vos ennemis, si vous voyez de la cavalerie, de chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'ayez pas peur. En effet, le Seigneur votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte et est avec vous. Au moment où
vous vous préparerez à combattre. Le prêtre s'avancera devant l'armée et dira aux hommes, soldats d'Israël, écoutez. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de combattre vos ennemis. Face à eux, ne perdez pas courage. N'ayez pas peur et ne vous affolez pas. Ne tremblez pas. Le Seigneur votre Dieu vous accompagne pour combattre avec vous contre vos ennemis et vous donnera la victoire. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons l'exemple d'Israël comme étant un peuple de Dieu. Je demande à l'église de me suivre attentivement. Israël, un peuple de Dieu. Mais Dieu leur dit, lorsque vous irez à la guerre, c'est que quand bien même que Israël est un peuple de Dieu, Dieu voulait tout simplement faire voir à Israël que la guerre n'est pas exclue. Le combat n'est pas exclu. Un peuple de Dieu, mais qui se retrouve face à la guerre. Et là, c'est le Seigneur Dieu qui parle à Israël. Et il donne à Israël des instructions comment il doit faire face à la guerre, face à leurs ennemis. Il a dit même, ne craignez pas, parce que moi, l'Éternel, je serai avec vous. Pourquoi l'Éternel n'a pas dit, n'allez pas à la guerre, moi, je vais les exterminer. Parce que l'Éternel était capable de prononcer un seul mot et de vider tous les ennemis d'Israël. Mais Dieu dira, lorsque vous irez à la guerre, même si vous voyez plein de cavaleries, des chevaux, même s'ils sont plus nombreux que vous, ne craignez pas. Amen. Écoutez, Dieu dit ne craignez pas, Amen. Mais ils sont dans la guerre. C'est que nous sommes dans la guerre, mais nous ne craignons pas. Parce que l'Éternel est avec eux. Amen. Et ça, c'est le type de l'Église. C'est que Israël dans la chair, qui marchait avec le Seigneur, et quand Dieu dit que je serai avec vous, c'est que pendant les combats, Dieu est ensemble avec son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Pendant les combats, Dieu n'a pas évité les combats, mais Dieu a permis les combats. Mais pendant les combats, Dieu est avec son peuple. C'est pour dire que si Israël a combattu physiquement, comme Israël c'est le type de l'Église, croyez-moi que le combat spirituel existe. Amen. Dites amen. Amen. Non, bien grand amen. Amen. Mais ce qui est important, c'est que Israël a combattu physiquement. Il a combattu les Philistins. Il a combattu le Moabite. Et tous ces gens-là n'étaient pas des gens spirituels. Les Philistins n'étaient pas spirituels. Où le Moabite n'était pas spirituel. Mais ils étaient tous des hommes charnels. C'est pourquoi les combats devaient être des combats charnels. Parce que c'était Israël charnel. Et les combats étaient charnels parce qu'ils possédaient des armes charnelles. Amen. Donc Israël ne pouvait pas combattre sans des armes charnelles. D'ailleurs, si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 13, vous allez comprendre, tu vas dire à la maison, parce qu'on a tellement de versets à lire. La Bible dit qu'un jour, Israël se sont retrouvés sans armement. C'est dans le verset que tu vas dire à la maison. 1 Samuel chapitre 13, le verset 20 et verset 23. 1 Samuel 13, 20 à 23. Et 1 Samuel 14, le verset 1er. Dans 1 Samuel chapitre 13, la Bible dit que Israël s'est retrouvé sans armes en main. Et un peuple qui n'a pas de armes ne peut pas combattre. Et la Bible dit que les Philistins ont envahi Israël. Et Israël a commencé à trembler face à leurs ennemis. Pourquoi? Parce que Israël ne possédait aucune arme. Et c'est là où nous comprenons qu'on ne peut jamais engager un combat sans armes. Et dans le livre de 1 Samuel, là où je vous ai donné, au verset 14, le chapitre 1er, la Bible dit qu'il y avait des serviteurs de Jonathan, le fils à Saoul, qui possédaient les armes de Jonathan. Et ce sont ces deux-là, par la foi,
accompagnés par Jonathan, qui sont allés attaquer les Philistins pour remporter la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, les armes. C'est que la guerre sans armes n'a pas d'importance. La guerre sans armes n'a pas de victoire. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Une guerre sans les armes, la victoire n'est plus. Et vous allez comprendre que si Israël a remporté cette bataille, c'est parce qu'il y avait des serviteurs de Jonathan qui possédaient les armes. C'est pourquoi nous devons posséder les armes pour bien combattre. Amen. Dis à ton voisin, nous avons besoin des armes. Non, dis à ton voisin, nous avons besoin des armes. Voilà même quand Dieu donnait la prophétie pour le combat contre Israël. Nous allons lire Jérémie chapitre 46. Je vous ai dit, je vais tout simplement introduire parce qu'on a tellement de choses à dire. On ne peut pas filer parce que nous devons bien saisir le message et bien comprendre ce que le Seigneur veut que nous soyons. Jérémie chapitre 46. Le premier livre du prophète Jérémie, chapitre 46, du premier jusqu'au quatrième verset. Parole du Seigneur que le prophète Jérémie reçut concernant les nations. Au sujet de l'Égypte et de l'armée du roi d'Égypte, le pharaon Nego, celui qui s'est trouvé à Carmiche, au bord du Frate, lorsque le roi Nabucodonosor de Babylone lui infligea une défaite. C'était la quatrième année du règne de Joachim, fils de Josias, et roi de Juda. Les officiers eurent préparé les boucliers, grands et les petits, avancés pour les combats, attelés les chevaux, en selle, cavalier, mettez le casque à vos rangs, astiquez les lances, revêtez les cuirasses. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est une prophétie sur le combat du peuple d'Israël contre l'Égypte et contre les nations. La Bible dit que Dieu va visiter son prophète Jérémie. Il va lui adresser cette parole que avant que vous puissiez commencer la guerre avec cette armée égyptienne, vous devez d'abord vous préparer. Il dit au verset 3, préparez les petits boucliers et les grands boucliers. C'est que Dieu est en train de rappeler à l'Israël, le peuple, que vous ne pouvez jamais attaquer les Égyptiens parce qu'ils sont lourdement armés. Et vous devez d'abord vous préparer pour aller attaquer vos ennemis. Au verset 3, il dit, préparez le petit bouclier et les grands boucliers et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez le cavalier, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. C'est que Dieu est en train de revêtir son peuple. Il devait le revêtir des armures pour aller bien combattre Israël. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre même dans les livres de Deutéronome chapitre 28 que chaque fois où Israël a péché, la Bible dit que Dieu les a abandonnés. Quand même qu'il y avait la guerre, même pendant la guerre, Dieu les a abandonnés. Et comme Israël a péché, quand Dieu les a abandonnés, Israël échouait pendant la guerre. Et il perdait tout ce qu'il possédait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand Israël pêche, Dieu les a abandonnés. Et la Bible dit que quand Dieu abandonne Israël parce qu'ils ont péché, Israël perdait premièrement la guerre et deuxièmement, il perdait tout ce qu'il possédait. Alléluia. Amen. Or, la première personne qui avait péché, c'est Adam. Et la Bible dit que quand Adam a péché, la première des choses, Adam a perdu la bataille. Parce que l'ennemi est monté sur la vie d'Adam. Et la deuxième des choses, Adam a perdu tout ce qu'il possédait. Il a perdu l'éden, la joie, les délices. Il en a perdu. Alléluia. Oh, alléluia. C'est que tout fils de Dieu, quand tu pèches, tu dois perdre premièrement la bataille,
posséder toute la richesse de Dieu, tu le perds. C'est pourquoi le premier élément et le premier armure que l'Église doit conserver, c'est la sainteté. Amen. Oh. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Première armure, c'est l'obéissance à la parole. Tant que tu n'obéis pas à la parole, ce sera difficile d'aller combattre. Je dis difficile de combattre. Parce que quand nous allons aller plus loin, vous allez comprendre que la première arme que le diable fuit, c'est la vérité. La vérité qui est accompagnée par la sainteté. J'ai dit une vérité accompagnée par la sainteté. Parce que quand on confesse la vérité, cette vérité doit devenir ta vie. Or, quand la vérité n'est pas encore une vie, tu ne peux jamais combattre. Et c'est là où l'Église est en erreur. Quelqu'un qui vit dans la publicité, mais il continue à combattre. Qui vit dans le. Alors, tu dois d'abord commencer à réparer ce péché-là afin d'aller au front. Amen. Oh, mais je crois que l'Église allait dire amen. Amen. Non, mais dites un grand amen. Amen. Oh, un grand amen. Amen. Et nous devons être plus concrets. Parce que, vous savez, d'ailleurs, le ministère, c'est pourquoi une église qui a un ministère doit être dans la joie. Amen. Dans l'église, on n'a pas compris. Amen. Une église qui a un ministère, l'église doit être dans la joie. Amen. Parce que le ministère, ce n'est pas se mettre debout et crier dans les vies. Non, mais le ministère, c'est l'art de rendre les choses plus faciles. Le ministère, c'est l'art d'éclairer le peuple là où il y a la confusion. Amen. C'est pourquoi laisse-moi vous éclairer, amen. Parce qu'en moi, il y a le ministère. Amen. Je suis venu ce matin pour éclairer une personne. Amen. 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 Moi, je veux une église vibrante. Amen. Une église qui vibre. Amen. Alléluia. Amen. Pas des gens qui disent, amen, comme la série. Là, c'est la mêlée. Je vais entendre vos voix. Amen. Non, mais motivez-moi quand même. Amen. Voilà, c'est ça l'église. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et nous, l'église, quand nous voyons la fille d'Israël, Israël qui est le type de l'église, a combattu, Israël avec Dieu, mais qui a vécu des guerres et des guerres, des combats et des combats. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, l'Église de Dieu, nous croyons au combat spirituel. Amen. Donc, je dis, nous, l'Église, nous croyons au combat spirituel. Amen. Parce que Apocalypse dit, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse? Que celui qui ajoutera, ou celui qui retranchera, une seule parole concernant cette prophétie, non, nous allons dire, c'est important. Apocalypse chapitre 22. Livre d'Apocalypse chapitre 22, 18 à 19. Verset 18 à 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Je le déclare à quiconque attend le parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un étrange quelque chose de parole du livre de cette prophétie, Dieu étranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte de Christ dans ses livres. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc je veux que l'Église puisse saisir une chose. La Bible dit, il y a deux choses dans cette écriture. Que si quelqu'un, premièrement, rajoute. Déjà, il dit, je déclare, quiconque attend le parole de la prophétie de ce livre, c'est que dans ce livre, il n'y a que la prophétie. Et cette prophétie, ce n'est pas un prophète qui nous a dit, un prophète qui nous a parlé, mais c'est la prophétie qu'on appelle l'exactitude de la parole. Parce que la prophétie, par excellence, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi lui-même le Seigneur, il dit, si quelqu'un entend la parole de la
s'édifie et qu'il rajoute, il y a deux choses, rajouter et l'étrancher. S'il les rajoute, Dieu dit, il sera frappé de tous les fléaux qui est inscrit dans cette prophétie. Alléluia. Donc si l'Église rajoute quelque chose au-dessus de la parole, la personne qui rajoute sera premièrement frappée de tous les fléaux qui existent dans la Bible. Ah, nous avons vu le fléau qui s'est passé à l'Égypte. Tout ce qui s'est passé à l'Égypte, on connaît. Hein? C'est que si nous ajoutons quelque chose dans la parole, la première chose que Dieu fera, c'est de nous frapper de tous les fléaux qui est dans la Bible. C'est que si on rajoute, on est frappé. Deuxièmement, si on étranche quelque chose dans le livre de cette prophétie, la Bible dit que le Seigneur réétranchera aussi ton nom dans l'arbre de la vie. Amen. Est-ce que l'Église a compris? Amen. Si tu rajoutes, tu es frappé, mais si tu étranches, tu réétranches aussi ton nom dans le livre de la vie, dans l'arbre de vie. C'est pourquoi nous, quand les bien-aimés Paul parle des combats spirituels, nous croyons que le combat spirituel est biblique. Oh. Amen. Merci Seigneur. Quand nous lisons d'abord notre titre qui est Israël, et nous voyons tout ce que le bien-aimé Paul nous enseigne, nous comprenons que le combat spirituel est biblique. Amen. C'est pourquoi celui qui rajoute, qui en fait des trous, qui en a fait une doctrine, pour nous le combat spirituel n'est pas une doctrine. Mais c'est une sorte de prière que l'Église doit faire. Amen. C'est que si nous faisons les combats spirituels et les doctrines, c'est que nous rajoutons. Amen. Là, quand nous rajoutons, nous serons frappés de tous les fléaux qui existent dans la prophétie. Amen. Et nous n'avons pas cette habitude de rétrancher aussi. Parce que si nous rétranchons, c'est que nous sommes contre ce que Dieu a dit. Parce que c'est Dieu qui a dit Israël, lorsque vous irez en guerre. Et là, le bien-aimé Paul dit que fait dans toutes sortes de prières. Or, dans toutes sortes de prières, il y a aussi ce qu'on appelle la prière. Le combat spirituel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Lévitique, cette prophétie va de même avec la prophétie du prophète Moïse. Écoute ce que Moïse dit, papa. Lis rapidement. Lévitique chapitre 22, le verset 23. Suis-moi bien. Le troisième verset, livre de Lévitique, chapitre 22, j'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Donc, est-ce que l'Église me sent? Moi, je ne me sens pas. Alléluia. Alléluia. La même prophétie que Dieu a prophétisé dans le livre d'Apocalypse, et ça, là, c'est le bien-aimé Moïse qui est en train d'accomplir la prophétie de Dieu. Moïse dit que si tu veux offrir à Dieu un sacrifice, un bœuf ou un agneau, si tu veux donner à Dieu une adoration, qui est un sacrifice, si tu veux offrir à Dieu un culte, qui est aussi un sacrifice. Parce que nous sommes venus le matin pour offrir à Dieu un culte comme un sacrifice. Quelqu'un peut me dire amen? J'ai dit, tu es venu ce matin pour offrir à Dieu un culte qui est un sacrifice vivant. Amen. Mais là, Moïse dit que si tu vas devant le Seigneur et que tu offres à Dieu un sacrifice, un bœuf ou un agneau qui est un culte, tu ne peux pas consacrer à Dieu. Tu ne peux pas donner à Dieu un bœuf ou un agneau qui a des membres allongés ou des membres courts. Est-ce que l'Église a compris? Amen. Oh, alléluia. Amen. Non, non, l'Église a compris. Amen. Tu as deux bras. Un agneau a deux bras. L'autre est normal, mais la deuxième est plus longue que le deuxième. Ça devient une anomalie. C'est-à-dire ça, ce n'est pas un agneau que tu dois offrir à Dieu. L'autre est normal, la deuxième est plus court. Ça, ce n'est pas un agneau que tu dois offrir à Dieu.
La Bible dit que si tu offres à Dieu cet agneau-là, ce sacrifice, ça ne sera jamais agréé. Cet agneau ne sera jamais agréé. C'est que le matin, quand nous venons ici, nous venons pour offrir à Dieu un culte. Or, ce culte ne peut pas avoir un membre allongé. C'est-à-dire un culte avec des rajouts, des choses qui n'ont pas d'importance, ou un culte retranché, des choses qui devraient y être, nous les retranchons. Parce que nous avons peur de quelqu'un. Si nous possédons ceci, il y a quelqu'un qui doit parler. Non, tu parles ou pas, nous allons offrir à Dieu un culte agréable. Tu ne peux pas offrir à Dieu quelque chose pour les autres. Non, tu dois offrir à Dieu quelque chose pour toi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Non, j'ai dit que le Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi nous, l'Église, quand le bien-aimé Paul parle du combat spirituel, c'est pourquoi il dit dans le livre de Corinthiens que je vous adore, l'Église, parce que vous n'avez pas cette habitude de discuter sur la parole, mais vous avez cette habitude de dire amen si c'est une parole prophétique. Amen. C'est que quand le bien-aimé Paul parle sur le combat spirituel, nous, l'Église de Dieu, je ne dis pas, je ne parle pas de l'oracle, mais je dis, nous, l'Église de Dieu, nous disons amen parce que c'est biblique. C'est pourquoi je voulais dire à l'Église, bien aimé, nous croyons à la prière des combats spirituels. S'il y a la prière de la repentance, il y a la prière des confessions, il y a la prière des consécrations, il y a la prière d'humilité, il y a la prière d'intercession, il y a la prière des démons, la prière de toutes sortes de prières. Nous croyons aussi qu'il existe selon Paul une prière qu'on appelle la prière de combat spirituel. Mais pour nous, ce n'est pas, j'insiste, pour nous, l'Église de Dieu, ce n'est pas une copie. Amen. 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 Dit amen. Dis à ton voisin, nous croyons au combat spirituel. Ah, j'aime ça. Non, non, non. Dis à ton voisin, dis-le, dis-le. Dis-le. Nous croyons au combat spirituel. Nous croyons au combat spirituel. Amen. Et nous avions dit, nous retournons dans ce livre d'Éphésiens, papa Timothée. C'est là où nous allons un peu expliquer le mystère de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12, verset 20, là où on était. Éphésiens chapitre 6. Non, c'était déjà écrit, c'était le texte de base. Du 12e jusqu'au 20e verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Écoutez, papa, je vais aller doucement. Écoutez maintenant, quand le bien-aimé frère Paul est en train, ne lis pas, suis la lecture, c'est le pasteur qui fait la lecture, moi je vais expliquer. Sinon tu seras distrait. Là, c'est le frère Paul, l'apôtre de Dieu. Et d'ailleurs, j'aime cet apôtre parce qu'il est fier d'y être. Il dit, je me glorifie de ce que le Seigneur a fait de moi. C'est lui qui était un voleur, un persécuteur, qui avait même assisté, je ne sais pas moi, à la mort d'Étienne, qui avait personné la mort d'Étienne. Mais un jour, quand il montait à Damas, le Seigneur lui est apparu. C'est pourquoi, bien aimé, serviteur, si le Seigneur n'était pas encore apparu, ne te dis pas que tu es un ministre. Amen. Hein? Parce qu'on ne devient pas ministre du jour au lendemain. Non, je ne deviens pas seulement que je suis capable de bâtir une église. Non, mais il faut qu'il y ait l'apparition de l'esprit. Parce que la Bible, qui était persécuteur, mais en montant vers le chemin de Damas, Dieu va lui apparaître. Il dit non, Paul, finis la persécution, finis les injures, finis la publicité, finis les maçons. Maintenant, je te donne une mission. Alléluia. Et maintenant, voilà la mission que Dieu a donnée à Paul. Et là, maintenant, c'est Paul qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi Paul dit ceci? Paul dit, nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang. Pourquoi? Parce que Paul veut nous rappeler qu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous ne vivons pas comme Israël jamais. Parce que Israël a combattu la chair et le sang. Est-ce que quelqu'un a compris? Bon, alléluia. Parce que la chair et le sang, c'est le physique. Mais nous, notre combat n'est pas physique. Nous ne combattons pas la chair et le sang. C'est pourquoi quand tu vas dans une église, tu vois les gens soulever le micro. Nous allons combattre. Non, ça c'est la chair et le sang. Amen. 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 Quand je te dis, prends la chair, nous allons combattre. Ne viens pas soulever la chair. Non, tu prends la chair, tu vas délasser les démons avec cette chair.
contre les dominations. Et écoutez, contre les dominations. Et toutes ces dominations qui reviennent de Paul parle, ce n'est pas les dominations qui est dans les sons et dans la chair. C'est que ce sont des dominations spirituelles. En maison. Contre les autorités. Ces autorités-là, ce n'est ni Ben Laden, ni Al-Qaïda. Mais nous combattons contre les autorités, mais spirituelles. Amen. C'est que les combats spirituels existent. Amen. Parce que là, nous sommes en train de combattre. Mais nous ne combattons pas avec Ben Laden. Nous ne combattons pas avec le Rwandais. Nous ne combattons pas avec qui que ce soit. Amen. Ce n'est pas la guerre entre le Congo, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Non. Amen. Mais ça, c'est une guerre spirituelle. Amen. C'est pourquoi nous avons nos bien-aimés Congolais, c'est nos frères. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais nous, ce que les Congolais nous ont fait, ça, c'est la guerre charnelle. Amen. Nous ne sommes pas des hommes charnels. Amen. Moi, si je vois un bien-aimé dans le Seigneur de Rwanda, je le détruis chez moi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais qui est ce pasteur qui fait ce qu'il faut donner la nourriture au commandement? On doit aller écraser cette église. Ça, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Dieu. Amen. Mais moi, si je rencontre un Ougandais, un Burundais, un Rwandais converti dans le Seigneur, c'est mon frère, je le reçois. Amen. Je lui donne à manger, je lui donne à se vêtir. Parce que c'est mon bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Amen. Continue. Contre le prince de ce monde de ténèbres. Écoutez, là il y a la précision. Amen. Nous combattons contre le prince de ce monde de ténèbres. Or, le prince de monde de ténèbres, on ne le voit pas. Or, ce prince de monde de ténèbres, c'est quelqu'un de spirituel. Amen. Et dites-moi comment nous allons combattre quelqu'un qu'on ne voit pas. Amen. Parce que Dieu nous demande de combattre. Amen. Parce que nous combattons contre le prince de ce monde de ténèbres. Amen. Maintenant, moi, si meilleur, je suis né dans la chair. Comment je peux combattre un prince de ténèbres? C'est qu'il y a des pratiques que le Seigneur me donne pour le combat. Or, ces pratiques-là, ce n'est que les combats spirituels. C'est que les gens qui résistent au combat spirituel, ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance exacte de la parole de Dieu. Donc, dis-moi un grand amen. Tiens, tu fais plaisir quand tu cries amen. Et c'est à cause de ça que le Seigneur est en train de donner la révélation. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Et écoutez, à la fin, il dit, nous combattons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Écoutez, nous combattons contre les esprits méchants. Pas nous combattons contre la chair méchante, contre les sangs méchants, mais contre les esprits méchants. C'est que là, le Seigneur nous dit, tant que nous sommes sur la terre, comme étant Israël dans la foi, comme étant Israël spirituel, c'est qu'il y a des esprits méchants qui vont nous combattre que vous ne voulez pas. Et quand tu regardes ta vie, tu verras que ta vie, c'est un combat. Non, mais dis-moi, alléluia. Non, je veux que nous fassions ensemble cet exercice. Depuis que tu es né, combien de choses tu as racontées dans ta vie? Tu crois que quand tu regardes, c'est Dieu? Quand tu souffres, tu crois que c'est Dieu? Hein? Mais d'où vient cette maladie? Si ce n'est que pas des esprits mauvais. D'où vient le blocage de ta vie? Si ce n'est que pas des esprits. Et comment nous allons faire tant que nous vivons sur la terre et il y a des esprits qui nous combattent? Non, déjà nous sommes sauvés. Les sangs a coulé, nous sommes sauvés, c'est fini. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et les gens vont plus loin en disant que là où il y a le Seigneur, les démons sont sans effet. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. Est-ce qu'on a jamais dit ça? Oui, c'est mais c'est comme ça qu'on priait l'ancien. Ouais, ouais. On disait dans nos églises, là, alléluia, là où il y a la présence totale de Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. C'est pas ce qu'on disait. Amen. Mais je dis, c'est faux. Un jour, quand le Seigneur est sur son trône, la Bible dit que le Fils de l'homme des anges vint, et Satan aussi vint. C'est que là où il y avait Dieu, Satan aussi vint. Et Dieu n'a pas demandé aux anges, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Mais Dieu a compris que dans ma présence, Satan aussi est là. Oh Satan, viens! D'où viens-tu, Satan? Je parle des anges, j'étais étonné. Dieu ne parle pas.
dit, c'est tout comment Dieu parle avec Satan. Je crois que les anges étaient donnés. Satan, d'où viens-tu? Je viens parcourir toute la terre. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Est-ce que Job a vu Satan? Non. Mais Satan l'a vu. C'est pour te dire que tant que tu es en train de vivre sur la terre, il y a des diables qui ont dit que Job était un Dieu. Job était un diable et juste. Ne me dis pas que Job, le diable n'a pas vu Job parce qu'il était un diable. Non! D'ailleurs, Job est un diable plus que toi. Juste plus que toi. Si toi, tes enfants même vont rester à la maison. Mais Job a dit non! Même si mes enfants meurent. Mais moi, je resterai fidèle à Dieu parce que je sais que mon rédempteur se réveillera. Je reste dans la présence de Dieu. Amen. Quelle est cette intégrité? Amen. Mais malgré son intégrité, quelqu'un qui connaît Dieu, le diable, Satan l'a fait. Et c'est Satan qui va donner le rapport à Dieu. Je lui ai vu. Je lui ai vu, il est là-bas, je l'ai vu. Mais quand le diable est passé, je ne l'ai rien vu. C'est pour te dire que quand tu dors, le diable est passé. Même si tu es un enfant de Dieu, il vient te guider. Non, pique ton bambou. Mais ce qui est important, si Dieu ne le permet pas, amen, il va passer, il te voit, mais il n'a pas cette autorité. Alléluia. Nous luttons contre les princes de ce monde des ténèbres. C'est que nous, l'église, mais les méchants, si, que personne ne te dise, mais comment est-ce que parce que tu as la révélation de la parole, tu as la connaissance. Allez, multipliez-vous, soyez bénis, c'est une bénédiction de Dieu, n'est-ce pas?
Cette promesse de Dieu, n'est-ce pas? Et quand ta vie est dans une condition que tout ce que Dieu t'a promis, tu ne le reçois pas. Dieu m'a promis les bagages, mais je ne le vois pas. Dieu m'a promis la paix, je ne le vois pas. Tout ce que Dieu m'a promis, je le vois. Ma vie est bloquée. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller au diable parce que Dieu t'a donné, mais le diable a profité. Maintenant, comme un enfant de Dieu, tu vas devant les démons. Non, mais démons, écoutez-moi, on peut négocier. Donnez-moi un peu, même si vous bloquez mes enfants. Mais donnez-moi quand même le mariage pour que les gens voient qui s'est marié quand même. Qui s'est marié quand même. Je commence à négocier. Bon, même si tu ne donnes pas un bon travail, mais donne-moi quand même des papiers. Laisse-moi dire que je ne veux pas d'avoir des papiers. Sinon, les gens vont me suivre sans papiers, sans papiers. Mais juste que les papiers, ça me suffit. Mais les gens, juste que les papiers ne me suffisent pas. Si j'ai des papiers, je dois avoir un travail. Si j'ai un travail, je dois me marier. Si j'ai des papiers, je dois acheter une maison. Si j'achète une maison, alléluia! C'est que cela ne me suffit pas. C'est pourquoi je ne peux pas aller négocier avec les démons. Moi, ce que je vais appliquer, c'est la violence. Or, la violence, c'est dans la prière des combats. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible dit? Depuis les champs, le temps de Jean-Baptiste, ah, j'aime ce verset. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est réservé au alléluia. Et moi, je vais aller plus loin. Depuis le temps de Christ jusqu'à aujourd'hui, la bénédiction de Dieu est réservée au la délivrance de Dieu est réservée au même des saluts. Je vais te décevoir. Les saluts n'est pas vaincu. Non. Parce que quand la Bible dit le salut de la vie, c'est la chance de le salut de la vie. Non, mais pourquoi la Bible dit le salut de la vie? Parce que nous n'avons pas acquis le salut par notre force. Il y a quelqu'un qui a accepté la croix pour que tu sois sauvé. Mais pour être sauvé, il y a une condition. Ce n'est pas facile. Et cette condition, c'est la violence. La violence, c'est quoi? C'est abandonner le mal. Parce que abandonner le mal, c'est accepter la violence. Si tu n'es pas violent, tu n'abandonneras jamais le mal. C'est pour que tu aies l'église et tu continues à pécher. Mais il n'y a que les violents qui marchent dans la sainteté. Non, même si je suis un élope, ce n'est pas un élope qui va me bloquer de servir Dieu. En Afrique, tu étais tout le temps l'église. Mais maintenant que tu deviens, il y a des raisons, parce que tu ne veux pas appliquer la violence. Le diable est assujetti. Mais ne peut être sauvé que celui qui est violent. Amen. C'est pourquoi je te communique la violence. Amen. Non, je dis, je te communique la violence. Amen. Même si nous faisons un 40 degrés, moi je suis à l'église. Amen. Même si nous faisons un 30 degrés, je suis à l'église. Amen. Même si nous faisons un 40 degrés, je prends ma femme et mes enfants, nous sommes à l'église. Je ne dirai pas non, mon fils, il a 4 mois, il n'a pas encore eu le vaccin. Mais sur devant le médecin, tu pars à la crèche, il s'en va, partout il va. Si tu as de la neuf, tu t'en vas avec cet enfant-là, tu ne peux pas venir à l'église parce qu'il n'a pas de vaccin, mais partout il s'en va. Mais celui qui est violent, il y a cause de mon Dieu. D'ailleurs, si j'ai cet enfant, c'est Dieu qui me l'a donné. Je vais prier. D'ailleurs, même si tu ne l'amènes pas cet enfant à l'église, même à la maison, il attrape la grippe. Même à la maison, il attrape la grippe. Est-ce que tu es sorti avec l'enfant? Non, c'est à la maison. Ah! Dieu t'a confronté pour te dire sortir ou pas sortir. Si la maladie vient atteindre ton enfant, la maladie viendra. Mais l'église a besoin de violents. Ce n'est pas celui qui vient le dimanche passé, ce dimanche il ne vient pas. C'est pourquoi l'église, des fois, on sait comme si l'église n'a pas de membres. Or, en réalité, l'église n'a pas encore de violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est réservé. Mais vous allez voir une confusion. Quand tu te lèves le matin pour aller au travail, tu commences à 7h. Même s'il fait moins de 40 degrés, tu vas appeler ton patron. Tu dis, monsieur Luc, aujourd'hui il fait 40 degrés. Il fait tellement froid, je ne peux pas sortir. Parce qu'il fait 40 degrés. Là, au travail, tu fais la violence parce que tu dois être rémunéré à la fin du mois. Mais la rémunération éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh, l'adoption finale. C'est ce que nous attendons, nous, l'enlèvement. Ça, c'est le prix que nous attendons pendant ce travail que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, même si c'est mon 40 degrés, moi je me lève et je dois aller prier parce que je sais que je serai rémunéré à la fin. Amen. C'est que Dieu a besoin des violons. Quand tu te lèves à 6 heures, là, croyez-moi, dans ces pays, si tu n'es pas violent, tu ne peux pas travailler. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu ne peux pas.
Déjà quand tu vas, surtout le moment des femmes des femmes des chambres des femmes des fois qu'on lui donne 25 chambres, tu te dis mais comment cette femme peut 25 chambres, papa 25 chambres, 25. Mais elle paye combien? 800 euros seulement. Ah, 25 chambres par jour pour 800 euros. Mais il fait la violence pour aller travailler. Mais pour le Seigneur. Alléluia. Je vous communique la violence. Aujourd'hui, je communique à quelqu'un la violence. Amen. Quand l'église sera violente, l'église sera bénie. Je te communique la violence au nom de. Non, je te communique la violence au nom de. Communique à la personne qui a fait la violence. Je communique la violence. Je te communique la violence. Si toi, tu ne veux pas prier. Amen. Alléluia. Amen. Non, des fois, t'es violent pour le Seigneur. Mais sans la violence, tu ne peux jamais combattre avec lui. Dites amen. Amen. Ça, c'était dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Et puis les gens baptisent. Celui qui a besoin de ce verset, tu le prends. Matthieu 11, verset 12. Pas pour devenir violent. Nous devons être des violents.